Salut à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour déballage unboxing du JJRC H345, un pack avec qui contient deux drones qui me vient de chez TomTop. Merci à TomTop de me les avoir envoyés pour cette revue. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne en cliquant par là en bas à droite et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous avez aimé ou pas le contenu. On va regarder la boîte, donc on va avoir les deux drones devant. On va pouvoir s'apercevoir tout de suite qu'ils ont un design assez connu. On va les sortir, vous verrez, c'est encore plus flagrant. JJ1, JJ2, une seule radio. Qu'est-ce qu'on a sur le côté? On l'a en version pliée, dépliée. Derrière, on a la photo en version dépliée. Dessus, Dual Aircraft Mode. Ça, c'est parce qu'on va pouvoir les binder tous les deux sur la radio. Ça, on verra ça après. Drone pliable, enfin bras pliable, return to home, 3D flip, headless mode. Voilà, on a fait le tour de la boîte. On va regarder ce qu'on a dedans. Ils vont arriver dans une boîte en préformé noir. Ça, avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, on a un petit papier habituel dans les drones du JRC. La notice en anglais, description des modèles avec les boutons de la radio et l'emplacement des piles. Hop, on va regarder maintenant les drones. On va regarder donc les drones, ils arrivent avec leur télécommande. On va les sortir. Donc, on a la télécommande. On a un et deux drones dans une boîte qui fait encore du bruit. Je vais vite la mettre de côté. Voilà. On va regarder en premier, comme d'habitude, la télécommande avec ses différents boutons. Donc, déjà, elle fonctionne avec trois piles AAA, les toutes petites. Voilà. Devant, on va retrouver au centre le bouton power. Ici, on va voir le bouton des vitesses. Donc, trois vitesses, un bip vitesse 1, deux bip vitesse 2, trois bip vitesse 3. Ici, on va avoir le bouton des flips. Donc, on appuie et on donne une direction. Ici, sur le bouton du haut, là, enfin, sur le haut du bouton, on va avoir le headless mode. Sur le bouton du bas, enfin, sur le bas du bouton, je vais y arriver, ouais. On va avoir le return to home. Voilà. Ici, je vais le joystick, on verra mieux. On va avoir les trims de rotation à gauche et de rotation à droite. Ici, les trims d'avance et de recul. Et les trims de translation à gauche, translation à droite. Après, rien d'autre. On n'a rien sur les boutons. Le stick est en bas parce qu'on n'a pas le maintien d'altitude sur ces modèles-là. Voilà. Pas d'antenne. Voilà. Bonne prise en main. Pas très grosse, mais elle a l'air bien. Enfin, elle est pratique en main, quoi. Voilà, on va regarder le premier drone. On va commencer par celui-là. Alors, petit drone pliable. Hop, on déplie les bras comme ceci. Tac. Hop. Donc celui-là, le premier, ça, non, du coup celui-là, ou JJ1 ou JJ2, selon comment vous décidez les appeler. Il reprend le design du Spark avec les petites encoches, l'aération comme sur le vrai, l'emplacement du capteur 3D. Devant, on a une petite LED, batterie intégrée. La batterie, elle dure entre 7 et 8 minutes à peu près. Et il faut compter 50 minutes pour la recharger. Ici, on a la prise de chargement et le petit bouton power. Tac. Le deuxième, lui qui, on va le déplier aussi. Hop. Donc lui, il est designé version Mavic, le grand frère du Spark. À peu près les boutons comme sur, enfin comme sur les lumières sur le Mavic. À l'avant, on va retrouver deux LED là en haut et une LED en dessous. Donc aucun retour vidéo sur ces drones-là. Il n'y a pas de caméra. Ce sont que des LED. Derrière, pareil, on va avoir la prise de chargement, le petit bouton on/off qui est là. Et voilà. Même batterie, même durée, même autonomie, même temps de charge. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Moi, je les trouve particulièrement de bonne facture. Je trouve que le plastique est vraiment bien.
De toute façon, JJRC nous habitue maintenant à sortir des drones de qualité. Donc voilà. Moi, ça me permet d'avoir... Alors, j'ai déjà le Spark, j'ai le vrai. Maintenant, j'ai pour mon fils un mini Spark et un mini Mavic. Voilà. Donc, il va être super content, il va s'amuser avec. On va binder le premier, on va en allumer un au hasard. On prend la version Spark, on l'allume, on le pose. On allume la radio. Haut, bas, pour déverrouiller. Le drone arrête de clignoter. On prend les sticks. Ici. Alors, je vais essayer de me trouver de la place. Voilà. Ici, calibration du gyro. Hop. Donc, pas de bouton de démarrage, hein, puisqu'il n'y a pas de maintien d'altitude. Il y a juste à monter un peu le stick. Voilà. Limite à décoller. Donc, je me suis perdu dans ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Donc, voilà pour le premier. Quand vous volez, l'avantage de ce pack-là, alors maintenant ils font des packs avec plusieurs batteries, ce qui est sympa, vous prenez votre drone, vous changez la batterie, bah, ce pack-là, ce qui est sympa, c'est qu'il n'a pas deux batteries, mais il a deux drones. Quand vous n'avez plus de batterie sur le premier, il vous suffit de l'éteindre, vous allumez le deuxième, alors, bouton power, vous rallumez la radio, haut, bas, et voilà, calibration du gyro, toujours pareil. Et vous avez votre deuxième drone qui est prêt à voler. Voilà. Du coup, résultat, ça vous fait en moyenne 14 minutes d'autonomie selon les conditions de vol. Alors, par contre, ça va vous faire de la charge parce que pour charger les deux, il faudra 50 minutes par drone. Donc voilà. Mais ce qui permet pour une fois de partir et d'avoir bah, ça dans les poches, d'avoir deux drones. En plus, ils ont fait deux looks complètement différents. Donc celui-là avec ses trois lumières à l'avant, ses deux lumières à l'arrière. Hop. Et celui-là, du coup, il a une lumière à l'avant. Alors qu'il clignote parce qu'il n'est pas appairé. Voilà. Une lumière à l'avant. Ah oui, il faut le poser, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Une lumière à l'avant, deux lumières à l'arrière, pareil. Deux lumières qui voient bien. Elles se voient bien. Mais bon, voilà. Petit détail sur cette prise. On a vu sur un autre... Alors, est-ce qu'on va avoir une mise au point ? Voilà. On a vu sur un autre modèle que j'ai présenté dernièrement que la prise faisait que partir. Sur cela, c'est vraiment bien fait quoi. Voilà, il n'y a plus de problème. Vous pouvez les mettre n'importe comment. Il charge donc lui, il s'allume. Enfin, il est éteint pendant que ça charge. Non, il est allumé pendant que ça charge et il est éteint quand ça a fini de charger. Il me semble que c'est exactement ça. Je vérifierai parce que j'ai un doute sur le moment. Habituellement, ils sont éteints pendant la charge et allumés quand il est fini. Voilà. Petite particularité du coup de ces deux petits drones, alors à voir en vol ce que ça peut donner, mais comme ils ont la même radio, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive à les binder tous les deux en même temps. Alors je suis pas sûr que les faire voler tous les deux en même temps soit pratique parce que comme ils ont pas de GPS, ils vont partir plus ou moins dans un sens, ils vont pas être réglés pareil. Quand on calibre les gyros, ça calibre les deux, et si on met un peu de gaz, les deux drones démarrent en même temps. Donc, alors à voir. On verra ça pendant le test de vol. Je les ferai voler forcément un après l'autre, hein, parce qu'à la base, ils sont quand même prévus pour ça, pour avoir une double autonomie, avec deux designs différents. Par contre, je ferai quand même un test de les faire voler en même temps, ce qui est drôle. Alors, ce sera pas aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il pleut des trombes et que je pourrais pas les faire voler. Et je n'ai pas envie de les faire voler en sous-sol. Donc voilà, j'aime bien ces deux petits drones, voilà, on les trouve en ce moment, si je ne me trompe pas, avec un code promo, je crois qu'ils sont à 22€ le pack complet sur TomTop, mon partenaire qui me les a envoyés. Je ferai le test de vol dans le week-end, dès que possible, dès que le temps me le permet, et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, je suis vachement content, et s'ils volent aussi bien que le dernier style, le dernier petit drone comme ça que j'ai fait voler, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ça. Enfin voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie d'être là, parce que c'est grâce à vous si ma chaîne évolue, hein, vous êtes derrière, et ça fait toujours plaisir. Voilà, pensez, si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme, voilà, on accueille tout le monde, hein, que ce soit du drone, de la voiture, du bateau, de l'avion, peu importe. Alors c'est vrai qu'il y a plus de drones chez nous que le reste, parce que bah, c'est pas forcément bien développé dans les autres catégories. Justement, venez nous apporter votre savoir sur les bagnoles, sur les bateaux, sur les avions.
Et pas de souci, on est là pour tout le monde, on est là pour partager et se faire plaisir. Merci encore, je vous souhaite pas plus longtemps. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner, je vous le redis. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.